Bonsoir à tous, bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur en passion pour ce nouveau live en présence de Layli Chem. Layli, bonsoir. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Je suis enchantée d'être là ce soir pour ma dernière de l'année. Voilà. Et ben voilà, moi en tout cas, ravi de te retrouver donc sur le groupe, donc pour le dernier live en direct sur le groupe auteur, blogueur et lecteur en passion. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour venir partager ton univers livresque sur un sujet justement qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer sur ce groupe. Donc, je suis impatient donc, de le partager avec toi. Et je tiens à saluer toutes les personnes qui nous rejoignent, qui sont déjà présentes ce soir. Et je tiens aussi, après je te laisserai te présenter, à te remercier, puisque tu as accepté ce soir d'offrir un exemplaire broché dédicacé de ton dernier roman, dont tu vas avoir voilà, l'occasion de nous le présenter, Une affaire de chien. Donc, doublement à toi, merci. Et chers amis, n'oubliez pas de poser vos questions à Layli pour tenter de remporter donc ce roman à la fin de ce live. Layli, en attendant les premières questions, je vais donc te laisser te présenter. Bon, eh bien écoutez, je suis enchantée, je suis Layli Chem, je suis auteure de romans policiers adultes au départ et en ce moment je suis plutôt jeunesse. Et le titre que je souhaite vous présenter ce soir est mon dernier, donc « Une affaire de chien » paru aux éditions du Bout de la Rue. Ce titre me tient particulièrement à cœur parce qu'il est là pour vous faire découvrir le troisième trafic au monde après la drogue et les armes. Voilà. Donc c'est un livre jeunesse. Rassurez-vous, l'histoire se termine bien. Pour autant, c'est une histoire qui est issue d'une histoire vraie. Voilà, qu'on voit effectivement à l'écran. Donc Layli, rapidement, est-ce que tu peux donc nous présenter ton roman? Alors, une affaire de chien, on a deux enfants, Alexis qui a 14 ans et son petit frère Benjamin de 12 ans, héros de cette histoire. Donc Alexis trouve un chien en mauvais état, elle va essayer de le soigner et surtout essayer de retrouver le ou les propriétaires de ce chien. Et elle embarque son frère dans cette recherche et au cours de leurs investigations, ils vont arriver dans un château et ce qu'ils vont découvrir, ils ne s'y attendent pas. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé du troisième trafic au monde. Je pense que vous devez savoir, donc, du coup, de quoi va parler cette histoire. Voilà, j'aborde un sujet important. Puisque les enfants, ce sont notre avenir. Le bien-être animal, c'est aussi une question d'actualité. Et surtout, il s'agit d'une histoire basée sur, issue d'une histoire vraie. Voilà. Donc, il était important de faire découvrir, enfin pour moi, il était important de faire découvrir ce qu'est le trafic animalier à travers une enquête réalisée par des enfants qui ont beaucoup de chance parce qu'ils ont un papa gendarme, beaucoup d'humour et surtout qu'ils sont bien, bien débrouillards. D'accord. Bah, écoute, merci à toi pour cette présentation hein, qui, je le rappelle, est la présentation donc, de ton roman « Une affaire de chien » qui est à gagner ce soir par tirage au sort à la fin de ce live. Donc surtout, chers amis, malgré les aléas du direct, voilà, n'hésitez pas à poser votre question pour tenter votre chance. Justement, il y avait une première question qui nous demande comment t'es venue l'idée d'écrire. Voilà, j'écris depuis, alors dans mes plus vieux souvenirs, je suis en cinquième. Et donc, alors j'ai baigné dans l'univers, probablement que ça va vous parler, du Club des Cinq, Clan des Sept, Michel, Langelot, et surtout une série faite par Alfred Hitchcock avec trois détectives. Donc ça, j'ai adoré ça. Et je suis restée dans cet univers-là. Et donc, en cinquième, j'écrivais des livres que je faisais corriger à mon professeur de français. Et ma copine qui, elle, dessinait, donc je lui laissais des pages vierges pour qu'elle me fasse de beaux dessins. Parce que moi, j'ai à peu près le niveau d'un enfant de 3 ans en dessin. Voilà. Et mon professeur m'avait donné à l'époque toutes des coordonnées de maison d'édition. Et je me disais, mais attends, moi j'ai 10 ans, 11 ans. Voilà, je fais ça pour m'amuser. Et puis bah, c'est resté. J'ai écrit après au lycée. Et puis dans la vie active, voilà, j'ai eu envie de raconter des choses. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des romans.
et particulièrement du roman policier parce que c'est quelque chose qui m'attire plus qu'autre chose. Voilà, c'est un domaine dans lequel je me sens bien. Voilà. D'accord. On revoit la couverture de ton roman Une affaire de chair, puisqu'il y a une question donc de Matisse qui dit très jolie couverture, qui l'a réalisée? Alors, la réalisatrice de cette couverture est Marie-Ève Daumal, et donc elle est illustratrice pour la maison d'édition, donc les éditions du Bout de la Rue. Et D'accord. c'est elle aussi qui a réalisé mes couvertures précédentes en jeunesse, puisque mes romans jeunesse sont édités par cette structure-là. Voilà. Oui, qu'on voit également à l'écran. Hein. Donc, il y avait le premier qui s'appelait Un concours semé d'embûches et une croisière à haut risque. Justement, on les voit. Hein. C'est quoi? C'est du manga? C'est. Pas du tout, c'est aussi du roman policier. Dedans, on a le même héros qui s'appelle Guillaume. Et Guillaume a une petite particularité, c'est qu'il a un ange dans la tête et que grâce à l'ange, il va résoudre des enquêtes en France et à l'étranger. En fait, Guillaume a vécu à une presque 40 aventures rédigées par différents auteurs. Je suis un des auteurs ayant raconté une aventure de Guillaume. Et donc chaque auteur emmène Guillaume dans une région qu'il apprécie et il lui fait vivre des choses qui lui parlent, ce qui permet de renouveler les histoires et ne pas lasser le lecteur. D'accord. Une question également qui demande en message privé, qu'est-ce qui t'inspire dans l'écriture de tes romans, puisque vu que c'est des sujets qui sont quand même assez variés, est-ce qu'il y a un sujet qui t'inspire plus que d'autres? Chaque histoire, que ce soit la jeunesse ou l'adulte, est tirée d'une expérience personnelle. Pour une affaire de chien, puisque c'est censé être, c'est celui-ci que je vais présenter davantage ce soir, il faut savoir que nous avons des animaux à la maison et un de nos chats vient de Roumanie. Je crois que je n'ai pas besoin de vous en dire plus pour ça. Il est un autre fait, c'est que dans la vie professionnelle, et là je pense que vous allez tous arrêter de regarder, je suis inspectrice des finances publiques, grosso modo, je bosse aux impôts, salut! Tout va bien. Et j'ai eu, dans le cadre de ma carrière, le grand plaisir d'être enquêtrice pour les finances publiques, et ma brigade a travaillé sur le vrai dossier. Voilà. Tout ce que je produis est issu de quelque chose que j'apprécie particulièrement. Si je prends les autres jeunesses, si on prend par exemple un concours semé d'embûches, alors vous voyez un cheval, vous dites équitation. Oui, mais derrière, le sujet traite de l'équitation western, une pratique moins courante qui se développe pourtant en France. Et j'ai eu l'occasion de monter pendant 3 ans et demi de cette manière-là, et c'est un grand, grand bonheur pour moi. Voilà, je monte plus western aujourd'hui parce que j'ai déménagé et que je n'ai pas trouvé de centre équestre adapté. Je passe une annonce, si en Entre-deux-Mers, vous voyez, en Gironde, un centre équestre pouvait monter un cours western avec des quarter horse, ça me ferait grandement plaisir. N'hésitez pas à relayer le message. Eh bien, écoute. Et dans celui-là, dans une croisière à haut risque, voyez les pyramides au fond. Je vous laisse imaginer assez facilement où peut se dérouler l'action. En Égypte. Et pour moi, l'Égypte est le plus beau pays du monde. Voilà, c'est mon avis. J'ai eu la chance d'y aller. J'aurais dû y retourner le 1er avril 2020, mais le Covid a décidé de nous faire une petite farce. Et j'attends encore que mon avion décolle. Voilà. D'accord, écoute, merci en tout cas, Lélie, pour toutes ces informations. Il y a Mélanie Barranger qui vient d'arriver et qui nous dit un petit coucou rapide, ma jolie Lélie Scheim. Voilà, je vais tenter de suivre le live en pointillé. Voilà, donc bonsoir. Oui, Mélanie, je souhaite te féliciter pour cette petite iris. Voilà, on peut le faire en direct. Bien sûr, Voilà. félicitations à elle, Félicitations. effectivement. Voilà, donc Mélanie, voilà, gros bisous à vous tous en tout cas. Mathis Bigra qui nous dit très chouette idée de garder un personnage pour plusieurs livres avec différents auteurs-autrices. Avez-vous une fiche personnage commune? Oui, il y a une charte qu'on peut retrouver sur le site de la maison d'édition, donc les éditions du Bout de la Rue. La maison d'édition a monté un site internet exprès pour cette collection qui s'appelle Detectivarium.
Et sur le site detectivarium.fr, on retrouve la charte, comme ça, n'importe, enfin, écrire une histoire avec Guillaume est ouverte à tout auteur. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Il y a une charte avec le descriptif du personnage, la temporalité à utiliser. Il faut savoir que le personnage doit être placé systématiquement dans une région différente ou un pays différent. On évite deux fois la même zone, justement pour pouvoir faire voyager le lecteur. Et puis, chaque titre est corrigé par le directeur de collection, qui est Joseph Waknin. Et ensuite validé ou non par la maison d'édition. D'accord, merci. Je rappelle, hein, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, et je le dirai régulièrement, hein, puisque tu as accepté donc d'offrir un exemplaire broché de ton roman ce soir. Donc effectivement, on voit le visuel à l'écran, hein, qu'il suffit juste de poser une question pour participer au tirage au sort. Et justement, Mathis apporte une précision sur sa question en disant, comment faites-vous pour mettre d'accord un personnage sur son caractère? Et de manière générale, comment faites-vous pour exploiter un même personnage? Tout est Qu'est-ce dans la charte. que c'est? Vraiment, tout est dans la charte. Alors, pour pouvoir écrire, à l'origine, la maison d'édition que je croisais régulièrement sur des salons du livre est venue me proposer de travailler pour elle, pour cette collection. Donc, j'avais dit, oui, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûre de pouvoir travailler à la commande, puisque ce que je produis, ça vient plutôt du cœur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu deux exemplaires, les deux premiers, de la collection. Et j'ai eu une idée tout de suite de ce que je, de quelle aventure pouvait vivre le personnage. C'est vrai qu'il est assez attachant, son ange est particulièrement gourmand et drôle. Et voilà, ça m'a, le personnage m'a beaucoup plu. Et dans la charte, on a vraiment plein d'indications. Après, voilà, moi, ça m'est venu comme ça. Si, on est limité à deux livres, à deux titres dans cette collection. Je pense que j'aurais pu facilement en faire un troisième et voilà, j'encourage les auteurs à pas hésiter à proposer quelque chose d'innovant et voilà, enfin, voilà, avec grand plaisir. Honnêtement, enfin, il y a une centaine de pages maximum, il y a un format respecté, mais tout est indiqué dans la charte de la, sur le site internet detectivarium.fr. Voilà. D'accord, merci à toi. Tout à l'heure, pour ton roman Une croisière à Auris, tu faisais allusion aux pyramides d'Égypte. Et là, j'ai encore une question d'une personne en message privé, mais je pense que les gens sont assez timides ce soir, qui me demande si la pyramide qui est derrière toi a un rapport avec la couverture, justement. Oui, il y a un rapport. J'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de partir en Égypte. Pour la petite histoire, j'y suis allée en 2012, donc juste après la Révolution arabe, et c'était mon voyage de noces. Il faut savoir que j'ai épousé un globe-trotteur, voilà, qui a fait le Japon, l'Amérique, les Amériques même, et tout un tas de pays. Et par chance, parce que quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, si un jour on se marie, on ira en Égypte. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Par chance, c'est un pays qu'il n'avait pas fait. Et voilà, on a passé 15 jours merveilleux là-bas. La première semaine sur le Nil et avec une guide extraordinaire. Et sur chaque monument qu'on visitait, j'ai pris des notes. Alors voyez bien, imaginez quand même, la nénette, elle est en voyage de noces, elle vient avec son calepin, son stylo, et elle prend des notes sur tout ce qu'elle voit. Et le soir, sur son bateau de croisière, elle retape ses notes sur son ordinateur. Voilà. Bon, je ne sais pas si mon mari est bien au courant qu'il y a une dizaine d'années, il a épousé une dingue. Mais bon, voilà. Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, ces notes, je les ai laissées reposer. Je m'étais dit, un jour, je m'en servirai. J'ai envie de montrer quel pays merveilleux c'est. Et puis, bah, voilà, je l'ai fait à travers ce titre. Voilà. D'accord. Il y a Mathis qui nous dit c'est un voyage de noces et d'affaires en même temps. Pour rentabiliser le déplacement. Voilà. Et hein, donc Mathis qui dit en tout cas qu'il vous remercie donc pour la réponse concernant les personnages et qui dit que c'est très chouette de vous écouter. Et je confirme ce qu'il dit. Merci Voilà, Mathis, c'est c'est gentil. chouette. Voilà, Mathis Bigras hein, qui gère et qui s'occupe et le créateur surtout de la plateforme Dixili.com, qui est la plateforme littéraire où les auteurs, lecteurs peuvent se retrouver pour partager leurs lectures, leurs écrits. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas. Et Mathis, n'oublie pas, tu peux mettre un petit lien si tu le souhaites pour ceux qui ne connaissent pas. Sylviane Vandamme qui nous dit, les livres, ils sont à lire à partir de quel âge? Alors,
Pour une croisière à haut risque et un concours semé d'embûches, je dirais CM1. On peut avoir, donc, grosso modo, un enfant de 9 ans, on peut, pour un très bon lecteur, commencer à 8 ans. Donc, CE2. Voilà. Ça dépend vraiment de la capacité de lecture de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant lise sans image. Voilà. Donc, et il ne faut pas le dégoûter, donc il ne faut pas lui donner un livre trop tôt, bien sûr. Hein. Il faut toujours adapter sa lecture, le livre, à l'enfant. C'est hyper important, ça. Donc voilà, grosso modo, c'est la tranche d'âge, c'est du CM1 à la 5e. Donc 9, 11, 9, 12, 9, 13. Voilà. Et pour une affaire de chien, je dirais à partir du CM2, donc 10 ans. Parce que la thématique développée, donc le trafic animalier, bien que je l'ai transcrite bien sûr pour des enfants, ça reste un sujet un peu sensible. Donc un enfant de 8 ans qui donc a la capacité, donc une 8-9 ans, qui a la capacité donc de lire sans images, pourrait quand même trouver que la thématique est difficile d'un point de vue émotionnel, évidemment. Il va s'attacher à chaque animal qu'il va croiser. Alors, bon, je spoil un peu, hein, mais ça se finit bien, ils sont tous sauvés à la fin. C'est pas comme ça que ça s'est passé dans la vraie vie, hein. Mais voilà, dans l'histoire. Et encore dans la vraie vie, on en a sauvé beaucoup. Mais voilà, bon, je raconte pas, je veux pas raconter l'histoire, mais vous pourrez la trouver facilement sur Internet d'ailleurs, puisque la vraie histoire, c'est l'affaire des quais de la Mégisserie. Donc une petite recherche Google et vous verrez de quel scandale je parle, puisqu'il s'agit de 3 ans d'enquête de la SPA. Et il a fallu l'intervention des gendarmes, des douanes, de la DDPP et d'un grand nombre d'autres administrations partenaires pour pouvoir mettre un terme aux agissements d'un individu gérant de 7 animaleries sur les quais de la Mégisserie et propriétaire d'un château en Seine-et-Marne. Voilà. Et il faut savoir que cette personne-là donc, a été condamné, mais est récidiviste. Voilà. Et donc, il y avait déjà une première condamnation. Et donc, c'est un sujet qui, voilà, qui est quand même assez interpellant. Régulièrement, on a des. Alors, pas de cette ampleur-là, parce que ça, ce dossier-là était énorme, mais vous avez. Régulièrement, on entend des éleveurs qui sont un peu débordés par leur élevage. Des propriétaires qui de bon cœur adoptent, 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 adoptent et puis n'arrivent plus à gérer l'ensemble des animaux qu'ils ont. Donc vraiment, il faut faire hyper attention. Voilà, un animal n'est pas un jouet. Voilà, il faut en prendre soin et on peut en avoir plusieurs, mais il faut bien s'en occuper. C'est comme les enfants. Justement, il y a une question de Mélanie qui demande, est-ce que toi-même tu as des animaux et est-ce que du coup tu as adopté également? Alors, moi, j'ai aujourd'hui, attention, parce que demain, ça ne sera pas la même chose. Donc, aujourd'hui, j'ai 2 chats, donc un papy de 18 ans et un petit jeune de 4 ans qui a été adopté, donc mon Roumain a été adopté dans un refuge seine-et-marnais. Voilà. Et puis, demain, parce que demain, c'est Noël, figurez-vous que le Père Noël m'apporte un poulailler et il y aura 4 cocottes dedans. Voilà. Et puis, d'ici un an ou deux, il y aura aussi un chien. Voilà. Et chaque chose en son temps, parce que j'ai aussi des enfants. Donc, sachant que ma fille m'a dit, maman, quand j'aurai 10 ans, elle nous a dit, quand elle avait 3 ans, maman, je voudrais un lapin. Donc, nous, on lui a dit, comme ça, bah, quand il faut que tu saches t'en occuper, donc quand tu auras une dizaine d'années. Sauf que depuis qu'elle a 3 ans, elle n'a pas oublié. Aujourd'hui, elle en a 8. Et il se passe pas un mois où elle ne nous rappelle pas que maman, quand j'aurai 10 ans, j'aurai un lapin. Voilà. Donc, il faut s'occuper de tout ça. Ça demande du temps et il faut bien le faire. Voilà. Moi, je me rappelle, j'ai eu un lapin aussi étant plus jeune, et c'est vrai qu'on est tous bien contents de lui faire des câlins, mais quand il faut changer la cage, en général, on est bien contents d'avoir les parents aussi. Alors, j'en ai eu pendant 9 ans et demi. Voilà. Et je ne sais pas si on appelle ça le destin, le hasard. Je ne sais pas comment il faut le prendre comme signe. Voilà, il est parti juste avant la naissance de notre fille. Et donc, évidemment, il y a quand même un manque. Donc, quand elle aura ses 10 ans et qu'elle sera en âge de s'en occuper, on sera très heureux d'en prendre un autre. Voilà. Et on espère qu'il sera aussi joueur que celui qu'on avait.
Eh ben écoute, tu nous diras, hein, on a, c'est toujours à lire les commentaires, c'est un plaisir donc de parler des animaux sur ce live. Il y a Mélanie qui nous dit, on est d'accord, un animal a un coût et ça se responsabilise. Voilà, et qui nous rajoute également, vive les petits roumains, ils sont top. Donc là, tu veux parler d'un petit chat, c'est ça. Et alors, pour la petite histoire, notre roumain, là, il s'appelle Simba, c'est les enfants qui ont choisi son prénom. Nous l'avons pris parce que nous venions de perdre le nôtre. Enfin, j'en avais un avant et le diabète l'a emporté. J'ai eu beaucoup de mal à passer au-delà. Donc, j'ai dit à mon mari, j'en voudrais un autre. Nous avons fait une journée d'adoption dans un refuge, donc l'école du chat de Villeparisis, en Seine-et-Marne. Et lors de cette adoption, on nous a mis dans l'enclos et on a regardé, nous. On avait une préférence, faut être honnête, on avait une préférence. Et on a regardé ce qui se passait. Et en fait, notre préférence s'est pas du tout intéressée à nous. Les enfants ont beaucoup, beaucoup, beaucoup joué avec Simba. Avec mon mari, on s'est regardé, on s'est dit, mais il est moche ce chat. Il louche, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et ben on l'a pris, ce chat moche qui louche, et c'est aujourd'hui, il louche toujours, d'accord, mais c'est peut-être bien le chat le plus gentil de la terre, et à nos yeux, c'est bien le plus beau. Voilà, c'est l'essentiel. C'est voilà, on en est très heureux. En tout cas, ça se sent, et c'est ce qui se dit un petit peu dans les commentaires, que tu as cette passion des animaux. Je ne sais pas si la question a été posée, mais d'où te vient cette passion des animaux, justement? Parce que quand tu dis, tu évoques les animaux dans tes livres. Un coup, c'est le cheval, un coup, c'est les chiens, les chats. D'où te vient cette passion? J'ai grandi avec des animaux, des chiens. Je voulais être vétérinaire. J'ai fait un stage dans un cabinet vétérinaire en troisième. Vous savez, la petite semaine de stage obligatoire, là. Oui. Donc, la chance de décrocher un stage dans une clinique vétérinaire. Et je me suis rendu compte, à la suite d'une intervention sur un animal, que je me sentais défaillir. Et que donc, peut-être que c'était peut-être pas pour moi comme métier. Si j'étais pas capable de regarder une opération sans avoir la nausée, c'était peut-être que c'était pas pour moi. Donc, je me suis dirigée vers une autre voie. Mais j'aime toujours autant les animaux. Je pense que tout humain les aime, même de loin. Je pense que tout humain les aime. Le seul problème, c'est les poils. Eh oui, ça, les poils d'animaux, effectivement. Donc, merci à toi. Donc, Lélie, on rappelle, hein, donc, tu es donc, l'auteur d'un roman, donc Une affaire de chien. Donc, ça, c'est ton roman actuel, donc, qui, comme tu dis, qui revient un petit peu sur la maltraitance envers les animaux. Donc, effectivement, on a eu l'occasion d'en parler. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions puisqu'il y a un exemplaire à gagner ce soir. Mais tu es aussi auteur donc, de romans jeunesse, Un concours semé d'embûches et Une croisière à haut risque. Et justement, cette maison d'édition, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu es arrivé à travailler avec eux? Est-ce que c'est eux qui t'ont choisi? Comment ça s'est passé? Alors, les éditions du bout de la rue sont situées à Porte de Vanves, dans le 92, à la limite 75. Effectivement, donc avant d'être auteur jeunesse, je rédigeais des romans policiers mélangeant la chiclite donc pour les adultes. Et ils m'ont vu évoluer sur les salons au fur et à mesure. Et donc, la maison d'édition m'a proposé de participer à la collection Détectivarium. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Bon, je les avais déjà vus sur des salons, on avait déjà discuté. Mais pas de projet littéraire, voilà, comme on discute avec les gens, on ne parle pas forcément tout le temps littérature ou contrat, ou voilà, c'est pas le premier mot qui me vient à la bouche. D'accord, et Mélanie qui nous pose une question intéressante, qui demande, est-ce que tu as des projets en cours actuellement? Alors oui, mais c'est un peu le fouillis. C'est un mot qui revient à la mode, on l'a eu pas mal de fois avec Talibanière la semaine dernière, ce mot fouillis. Non, j'ai l'impression que ce mot-là, le fouillis, on doit l'avoir à chaque live. Alors, non, c'est-à-dire que il y a ce que je fais, donc du roman policier, il y a ce que j'ai envie de faire, et il y a ce que je fais aussi actuellement, parce que ça fait donc un an que nous avons déménagé en Gironde. Donc cette année, j'ai dû me consacrer à retaper ma maison et aussi à prendre mon nouveau poste professionnel. Donc, j'ai dû délaisser un petit peu ma plume,
Donc là, je vais justement profiter, parce que ce soir, je suis en vacances, profiter de ces jours-ci pour pouvoir remettre un peu de l'ordre dans ce que je suis en train de produire. Donc, en théorie, le prochain roman sera un roman policier adulte. Voilà. Et justement, Sylviane qui nous demande, vos romans pour adultes, est-ce qu'ils sont publiés chez la même maison d'édition? Non. Alors, les deux premiers, alors évidemment, ça va être à l'envers à l'écran, mais moi, je suis nulle pour tout ça. Non, non, on les voit à l'endroit, je te rassure. C'est vrai? Bon, Oui? bah, tant mieux. Voilà, ça, c'était les deux premiers. Vous voyez, du policier où on ne se prend pas trop la tête. Donc, attention RP quand les filles des impôts s'en mêlent. Et les RP, la boîte d'archives, RP voulant dire relations publiques. L'idée pour moi, donc ces deux-là étaient publiés chez les éditions Télès, maison d'édition qui est tombée en liquidation judiciaire, mais vous inquiétez pas pour eux, ils se sont remontés sous un autre nom. Et ensuite, j'ai écrit La prophétie d'Osiris, et celui-ci est paru aux éditions Thoth, c'est une maison d'édition du côté de Grenoble. Voilà. Et puis en plus, pour le coup, Prophétie d'Osiris, édition Thoth, fallait le faire. Et ouais, Voilà. je Et suis en donc. train de me dire, mais ça me parle. Bah, effectivement, tu viens de le dire. Et donc, en fait, donc, les trois livres ont, pour même ont les mêmes personnages, donc quatre jeunes filles qui sont plus préoccupées par le fait d'aller faire du shopping et de développer leur manucure, soins, etc. Et qui vont être confrontées à la réalité, c'est-à-dire, donc, par exemple, pour la prophétie d'Osiris, un de leurs collègues est assassiné, les yeux. Posé dans un vase canop à tête de chat. Voilà. Donc Encore là, des attention. animaux. Encore, toujours. Effectivement, comme dit Mélanie, Osiris, Égypte, chat, enfin, c'est tout se relie en fait. Et oui, mais il y a quelque chose dessous aussi. Mais celui-là, je l'ai écrit avant de partir en Égypte. D'accord. Eh ben, écoute, Celui-là se passe en France, d'ailleurs. d'accord. Ben, merci à toi. Justement, en attendant les prochaines questions, tout en rappelant effectivement qu'il y a un exemplaire à gagner ce soir, est-ce que tu peux nous lire un petit extrait? Bien sûr. Alors, ce que je vous propose, pour pas faire trop long, c'est donc c'est un livre pour enfants, donc on a des chapitres plutôt courts. C'est de vous lire le premier chapitre du livre. Voilà. D'accord. Histoire que vous ayez la tonalité et puis la découverte de. Moi, j'en dis pas plus. Je le lis et puis on en cause après. Allez, Voilà. on t'écoute. Donc chapitre 1. Alors non, on va peut-être commencer par donc le prologue ou la citation, je devrais dire. On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas. Et cette citation, c'est de Lamartine. Donc le chapitre 1. Regarde papa là-haut, une étoile filante. Comme c'est joli. Vite, fais un vœu Alexis. Mon père me prend encore pour une gamine. J'ai 14 ans tout de même. Je n'y crois plus à ces histoires de vœux. Aladdin et sa lampe magique n'existent pas. Sinon, il y aurait la paix dans le monde, personne ne serait malade et le beau Guillaume ne serait pas amoureux de cette cruche de Cécilia, mais de moi, se dit la jeune fille. Pourtant, elle joue le jeu. Elle ferme fort les yeux et fait un souhait. Un tout petit de rien du tout. Il est tard. Son père la ramène de la fête d'anniversaire de son amie Sarah, qui habite le village d'à côté, quelque part dans la campagne entre Saint-Cyprien et Sarlat-la-Canéda, en Dordogne. Elle aurait largement pu rentrer en vélo, à peine 6 km. Évidemment, ses parents, en bons parents poules, ont décidé qu'il lui fallait un chauffeur. Question de sécurité, paraît-il. À moins que ce soit pour la surveiller et vérifier qu'elle rentre bien à l'heure. Qu'ils peuvent être étouffants par moments. 14 ans, ce n'est quand même pas rien. Elle est grande et responsable, Alexis Palace. Bon, elle le reconnaît. La route traversant la forêt n'étant pas éclairée, elle est dangereuse. Les automobilistes, surtout la nuit, ont tendance à appuyer sur le champignon plutôt que de s'arrêter pour les cueillir. Soudain, elle ouvre les yeux et se met à hurler. Stop! À la lumière des phares de la voiture, elle a discerné une masse informe traversant l'asphalte. Son père freine brutalement. Il ne lui faut pas plus d'une seconde pour ôter sa ceinture de sécurité et s'éjecter hors du véhicule. C'est l'histoire d'un chien qui traverse la route. Une voiture passe et paf, le chien, pense-t-elle aussitôt, bien malgré elle. À son tour, elle se précipite vers l'animal qu'elle vient d'apercevoir. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Nom d'un chien, c'est un samoyède. Haut d'environ 50 cm,
tous maigrichons, tétanisés, probablement éblouis par les phares de la voiture. Il ne s'enfuit pas en la voyant. Le regard fixe, il observe. Elle s'approche doucement et pose délicatement sa main sur son pelage crasseux, parsemé de boue et d'excréments. Il se laisse faire. Elle le caresse, la grippe. L'animal ne la repousse pas, n'aboie pas et ne montre même pas les crocs. Épuisé, il s'effondre. Elle l'examine d'un peu plus près. Il n'a ni collier ni tatouage visible dans ses oreilles. À qui peut donc appartenir ce chien? En tout cas, il pue et il est mal en point. Il ne peut pas rester là. Il est blessé, il faut l'emmener chez le vétérinaire, dit son père derrière elle. Oui, le docteur Godin saura la remettre sur pattes. Ensemble, ils soulèvent l'animal qui émet un léger couinement. Ils l'installent le mieux possible dans la voiture, en l'enveloppant avec les plaids qu'ils trouvent. Focalisée sur la bête, la jeune fille a complètement occulté leur environnement. Lorsqu'elle relève la tête, elle s'aperçoit que la petite route de campagne s'est transformée en un véritable circuit automobile. En théorie, la vitesse est limitée à 70 km par heure, mais en théorie semble être un autre monde. Heureusement que son père a eu la présence d'esprit de mettre ses warnings. Pour le triangle de sécurité et les gilets jaunes, en revanche, c'est raté. On aurait pu les percuter. Ils remontent vite dans l'habitacle. Le père d'Alexis place un gyrophare sur le toit de la voiture. Tout le monde n'a pas un tel engin à sa disposition. Lui, il est lieutenant de gendarmerie. Pour les urgences, ça aide. Il branche le deux-ton et lance à son tour son bolide sur le circuit automobile. Direction le vétérinaire. Eh bien, écoute, merci pour cet extrait, donc, ma chère Lélie. Donc, on rappelle que c'est un extrait donc, de ton roman « Une affaire de chien ». Donc, comme on vient de l'entendre, on traite effectivement sur la défense des animaux. Et justement, il y a donc plusieurs commentaires. Donc, il y a Céline Servat qui vient d'arriver, qui nous dit donc « Coucou Céline ». Salut Céline. Voilà. Mélanie qui nous dit « Très belle citation », effectivement la citation que tu as dit donc, au début de ton roman. Et Mélanie qui rajoute effectivement « C'est touchant, moi je dis que c'est adapté jusqu'à 99 ans et plus, car je dépasse l'âge conseillé de lecture, mais j'aime bien ». Mais et je pense que même si c'est un public enfant qui est à l'origine de, enfin, qui est la cible, il peut se lire jusqu'à 99 ans et même plus. Tu et peux ben, y aller, Mélanie, tente ta chance ce soir. Eh ben écoute, et puis qu'elle nous fasse un petit retour. Mathis qui nous dit également merci pour cette lecture, justement. Une question, est-ce qu'il y a sur des sujets tout aussi sérieux ou peut-être un petit peu plus humoristiques que tu pourrais aborder ou pas aborder du tout? Si, il y en a, je pense qu'il y en a plein des sujets qu'on peut aborder. Après, il faut trouver l'inspiration, voilà, il faut trouver quelque chose d'emblématique, quelque chose qui, je ne sais rien faire qui ne me touche pas. Voilà, il faut vraiment que ça me touche. Donc voilà, j'écris quand j'ai un message à faire passer et pour faire passer le message. Voilà, je ne sais pas encore, enfin, j'ai un roman policier en attente, mais celui-là est un peu différent. Voilà, il n'y a pas de, voilà, c'est complètement autre chose de ce que je fais d'habitude. Voilà, il reste, je ne sais pas encore, il y a un truc que je voudrais faire, mais... voilà, je suis arrivée en Gironde, j'aimerais bien faire quelque chose sur le bassin, parce que je suis amoureuse du bassin, mais je n'ai pas encore trouvé l'histoire. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Céline qui nous dit, en tout cas, les enfants qui ont acheté tes livres à terme noir les ont adorés, et j'adore ta pêche. Merci Céline. J'ai eu un retour de Guillaume aussi qui m'a beaucoup touchée. Il faut savoir que le salon Terme Noir est un salon du roman policier qui est absolument extraordinaire. Dans un trou perdu, et je peux dire trou parce que moi j'habite un trou de 650 habitants et en Causses-les-Termes, et ben, il n'y en a pas beaucoup plus. C'est un salon absolument extraordinaire, hyper bien organisé, avec des lecteurs absolument formidables. J'ai la chance de pouvoir y retourner l'année prochaine, en 2022, et j'espère bien à nouveau pouvoir rencontrer mes jeunes et moins jeunes lecteurs. Et aussi un grand nombre d'auteurs, parce que voilà, il y a enfin un grand nombre, il y a une vingtaine d'auteurs, mais tous très talentueux. Voilà, j'ai enfin en cause, c'est voilà, Céline et Guillaume, vous avez fait un salon extraordinaire. Voilà, je peux le vendre aujourd'hui ton salon, il était super. Et voilà.
Merci en tout cas pour cette pub pour le salon. Et justement, il y a Mélanie qui demande, est-ce que tu as envie de tenter autre chose que du policier, genre de la romance ou du fantastique, fantasy? Mélanie, je tenterais bien de la romance, mais si je pouvais y mettre un cadavre ou deux dedans, ça serait pas mal. Et pourquoi pas alors? Ben pourquoi pas? Céline qui te répond, ils t'attendent et nous aussi, on sera 25 et ça se passe les 11 et 12 juin prochains. Voilà, en tout Ouais. cas, merci à toi. Et je viens la veille parce que je veux faire une rando pour pouvoir découvrir les alentours de Ancos-les-Thermes. Alors, Ancos-les-Thermes, hein, c'est dans le 31, à côté de Saint-Gaudens. Voilà. Voilà, eh bien écoute, à ce moment-là, moi je donne au défi, la veille justement, tu viendras faire un live de là-bas avec Céline et Christophe. Oui. Guillaume. Oui, Céline et Guillaume. Ah ben, il va falloir organiser tout ça. Oui, oui, Eh oui. bien, écoutez, Avec grand pourquoi plaisir. pas, effectivement. Pourquoi pas. Mélanie qui nous dit, ah, une histoire d'amour avec un mort-vivant. Pourquoi pas, voilà. Alors, là, il va falloir que je me documente. À voir, effectivement. En tout cas, voilà, on rappelle que tu es auteur donc une affaire de chien et également aussi donc des romans, un concours semé d'embûches et une croisière à risque. Donc voilà, ce sont des romans policiers, que ce soit autant pour les adultes ou pour les enfants. Et Mélanie qui nous dit, bah, tu as dit avec des cadavres. C'est pour ça qu'elle te dit une histoire d'amour avec des morts vivants. Ouais, mais j'ai pas dit non plus nécrophile ou je sais pas quoi. À voir. Et justement, quand tu écris un roman comme ça, j'ai vu la question passer tout à l'heure, est-ce que tu, en général, bon, tu as dit que tu prenais énormément de notes, que tu faisais des recherches, mais est-ce qu'en général, tu as une trame ou est-ce que tu prends des notes, mais après, ça, tu te laisses part à l'imagination? Alors, je me documente pour le sujet qui m'intéresse. Ensuite, je prépare une structure à mon roman. Le chapitre, je mets des guillemets parce que ça bouge quand même. Et donc, j'y mets la trame. Ça fait à peu près 3 pages. Hein, et puis ensuite, je développe au fur et à mesure. La question que je me pose, parce qu'il faut rester aussi humble, c'est est-ce que je serais capable un jour de faire un roman de 300 pages? Voilà, je ne sais pas. Aujourd'hui, ils font 150, 150 pages. J'ai l'impression de dire plein de choses en 150 pages. Et en même temps, voilà, si j'ai la capacité d'écrire des livres, je suis aussi amoureuse des livres. Et donc, je lis beaucoup, beaucoup de romans policiers. Et je serais frustrée de lire que 150 pages. Donc voilà, j'aimerais. Moi, le défi que je me lancerais, c'est d'aller au-delà en termes de quantité. Après, pour un enfant, voilà, c'est adapté. Hein, entre 80 et 150 pages, c'est tout à fait le calibre. Voilà. Mais j'aimerais aller. J'aimerais. Ouais, j'ai un défi. Moi, j'ai un défi à réaliser sur les prochaines années. Parce que je ne vais pas dire demain. Hein, pour écrire un livre, il me faut un an. Donc voilà, c'est d'écrire un roman policier adulte d'avoisiner les 300 pages. Ça serait chouette de réussir à réaliser ce défi. Céline nous dirait une histoire policière avec les huîtres du bassin d'Arcachon. Ouais. Qu'ont été croqués par le mort-vivant ou pas? Eh ben, pourquoi pas? Allons voir. La co-auteure, Céline, voilà, Céline, Lélie et Mélanie. Mathis qui nous dit, qu'avez-vous ressenti lors de la sortie de votre premier livre? Ah, c'est une très bonne question. Oui, alors, mon premier livre est sorti en 2007, donc j'avais 22 ans. Comptez pas quel âge j'ai, parce qu'il y a eu deux confinements, donc ça fait 2 fois que j'ai pas fêté mon anniversaire. Hein. Voilà. Aïe. Donc il faut enlever 2 ans. Et alors, le premier sentiment, ça a été beaucoup de bonheur, et je crois qu'on peut dire de la fierté aussi. D'avoir quand on a le produit fini, enfin, je sais pas comment, oui, un sentiment de fierté, de bonheur, et puis ce sentiment a laissé place quelques temps plus tard à de la déception. Parce que le premier titre que j'ai sorti, enfin les deux premiers même, donc aux éditions Télès,
Je me suis aperçue que j'avais pas signé le bon contrat. Voilà. Et donc, grosso modo, je m'étais fait avoir. Voilà, je trouve que le milieu littéraire, s'il faut, enfin, faut être honnête jusqu'au bout, c'est un milieu difficile. C'est difficile d'y entrer. Il y a quand même 100 livres qui sont édités, 100 000 livres qui sont édités tous les ans. Comment faire émerger une plume parmi les autres? Et puis pourquoi cette plume-là plutôt qu'une autre? Voilà, je trouve que c'est très difficile. Alors, à chaque fois que je mets le point final d'un livre, le vrai point final, quand on a fini la relecture, tout ça, le sentiment prédominant aujourd'hui, c'est la joie. Voilà. Il n'y a plus de fierté, parce que voilà, il n'y a plus. Voilà, quand on est. Il n'y a plus de fierté, par contre, il y a beaucoup de joie. Et après, cette joie, je la retrouve à chaque fois que j'ai l'occasion de partager un moment avec mes lecteurs. À chaque fois que j'ai un retour de ces lecteurs, je considère que c'est un privilège. Voilà. Et justement, est-ce que tu fais appel à des bêta lecteurs, à des chroniqueurs, justement, pour avoir des retours de lecture? Non, pas. Non, alors. Je suis éditée par une maison d'édition, donc j'ai un contrat à compte d'éditeur. Donc la maison d'édition s'occupe, enfin j'ai des contrats à compte d'éditeur, la maison d'édition s'occupe de tout ce qui est correction, relecture, voilà. Et puis après, dans mon contrat, il n'y a pas de, enfin dans mes contrats, il n'y a pas de livre destiné à tout ça. Donc voilà, quand je. Et j'ai pas de version papier, enfin. Numérique, pardon, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est difficile de faire émerger un livre quand on n'a pas tous ses supports, la possibilité d'avoir tous ses supports. Voilà. C'est le D'accord. petit bémol, mais c'est une petite structure. Et si elle est petite et qu'elle ne me permet pas d'avoir tout ça, au moins celle-là, elle fait son travail correctement. Il n'y a pas de souci d'approvisionnement, il n'y a pas de souci de versement de droits d'auteur. Ils sont hyper réglo et je préfère travailler avec des gens comme ça, petits mais sérieux, que grands alors un synonyme de voleur en Oui, bien voilà. sûr. On se comprend, effectivement. Voilà. Et justement, est-ce qu'on peut se procurer tes romans via le site de l'éditeur, sur en librairie? Alors, on peut se le procurer partout. On peut se les procurer partout, sauf les deux premiers, puisque les deux premiers, donc, parus aux éditions Télès, donc attention RP et les RP, la boîte d'archives. Il me reste quelques exemplaires, puisque la maison d'édition a fait faillite. Donc, ceux-là, on ne les trouve plus. Par contre, le dernier adulte et les jeunesses, on les trouve sans problème dans toute bonne librairie sur commande, sur Internet, sur tous les sites, on va pas faire de pub, mais Fnac, Cultura, Amazon, Le Furet du Nord, Mola pour chez nous, pour les Girondins, et puis dans toutes les librairies de France sur commande, et sur le site de la maison d'édition. Il y a que ce soit les éditions du bout de la rue, les éditions Tote, ou pour un concours semé d'embûches et une croisière à haut risque sur le site Detectivarium, monté spécialement par la maison d'édition. D'ailleurs, sur ces deux livres-là, ainsi que toute la collection Detectivarium, il faut savoir que nous, auteurs, on développe des thématiques autour de ces livres, des thématiques culturelles. Comme ça, si le lecteur a envie d'en savoir un peu plus, donc par exemple, sur un concours semé d'embûches, l'histoire, je l'ai placée en Ardèche parce que c'est une région de France que j'aime énormément. Voilà, sur les thématiques développées sur le site internet, on trouvera des choses sur l'Ardèche et on trouvera beaucoup de choses sur les soins apportés aux chevaux, les différentes épreuves western. Voilà, il y a un complément d'information et ça, c'est fait pour chaque livre de la collection. D'accord. Bah écoute, Lélie, merci à toi pour toutes ces informations. Mathis qui nous dit merci pour ce live et vos réponses en espérant vous croiser prochainement sur Dixili, hein, qui est donc la plateforme littéraire dont on vous invite à aller faire un petit tour si vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, voilà, merci à toi, Lélie. On a atteint, bon, avec le petit bug, on a quand même fait plus de 45 minutes de live. En tout cas, c'est bien, c'est cool. Je suis bien content. Je ne sais pas Merci si tu. pour cette invitation. Honnêtement, voilà, ça fait un moment qu'on en parle qu'on n'avait pas pu le faire.
Je suis vraiment ravie de finir l'année ici sur ce groupe. J'ai un autre groupe à aller chambrer après. Hein. Qu'on connaît bien aussi. Voilà, évidemment. Private joke. Voilà, je suis vraiment contente d'être venue ce soir, d'avoir été invitée de pouvoir parler une dernière fois donc d'une affaire de chien. Voilà, un sujet, vous l'avez compris, qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai hâte de savoir à qui je vais dédicacer ce livre. Voilà. Voilà, et eh ben écoute, en tout cas, merci à toi. Je rappelle effectivement, et tu viens de le dire, qu'un exemplaire broché dédicacé est à gagner à l'issue de ce live. Vu qu'il y a eu le petit bug au début, j'annoncerai le nom du gagnant en mettant le lien de la rediffusion YouTube sans coupure. Et à ce moment-là, effectivement, j'inviterai donc la personne qui aura été tirée au sort à te contacter. Mais encore une fois, merci à toi pour ce live. Voilà, c'était intéressant, j'ai bien aimé. Donc voilà, en tout cas, je te souhaite une bonne fin de soirée, bonne fête de fin d'année à toi, et puis moi je te dis à très bientôt. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. À bientôt avec grand plaisir. Au revoir Florian. Au revoir tout le Allez, monde. au revoir à tous, au revoir. Ciao. Merci à tous, chers amis. Et puis bon, voilà, comme je l'ai dit, on se retrouve donc très prochainement. La prochaine live, ce sera donc un live enregistré avec Marie-Blanche Cordoue, qui viendra donc nous présenter ses coups de cœur de l'année 2021. Pourquoi pas vous donner quelques idées cadeaux. Ce sera enregistré prochainement et diffusé sur le groupe entre les fêtes. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous et on se dit donc à très bientôt. Bisous, ciao, ciao.